Les pratiquants de taekwondo des régions Plateau, Kara et Savane se sont prêtés à l'exercice de passage de grade de ceinture noire, premier, deuxième, troisième et quatrième dan. C'est la direction régionale de l'action sociale Kara qui a offert son cadre à cette évaluation organisée par la Fédération togolaise de taekwondo. Les épreuves se sont déroulées sous l'œil vigilant de la direction technique et de la commission des grades après 4 jours de stage. On les a jugés dans les Pomc. C'est un combat imaginaire contre plusieurs adversaires. Et dans le Pomc, il y a tous les mouvements de base. Et les maquis, les tchagis, les kurugis, les kyokpa. Les maquis, c'est tous les mouvements de base des coups de poing. Et les tchagis, c'est tous les mouvements de base des coups de pied. Les roshinsul, c'est les attaques défense. Et les kyokpa, c'est les casses. Le taekwondo, c'est un sport qui aide le pratiquant dans la vie courante aussi à se défendre. À noter que le passage de grade dans cet art martial se fait périodiquement chaque 3 mois, histoire de jauger le niveau technique des athlètes. Le rendez-vous de Kara intervient après celui de Lomé.